Je pense qu'il faut voter là-dessus. Ah, et ouais, ça lance quelque chose. Par contre, j'ai pas du tout parlé à elle, j'aurais peut-être dû lui parler avant. On va faire une bêtise, je le sens. Je sais pas, on verra. Il m'a dit oui dans le chat, c'est bon. Quel y vient? Je suis bloqué dans l'arbre. Pas possible. Laissez-vous, elle me parle. Bah moi aussi. Mais moi, je suis bloqué. Mais il est sérieux? Bah oui. But they always promise their freedom of the sea. Now a new danger is coming on the tides. Already a change this world to its liking. And if what it wants can't be found, it will take everything. Want to know its name? Oui. On a dit qu'il fallait se focus sur ce qu'ils allaient dire parce que ça allait être important pour la moi, suite. Ah, je focus hein. Là. Ah, mais je suis focus. T'es focus sur quoi? Sur ton arbre? Attends. Ah, c'est déjà bien. Nobody but its captain may trade below the deck of that ship. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to stow away. But if the ferryman him catch you, your destiny might be in there. Still listening. Listen close. All you think you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see those cursed shores with new eyes. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you the way. C'est bon là? Ah, attends, ouais. elle sort quelque chose à madame. C'est rythme entre Kiki et Kelly, on n'est pas sorti. Mais oui, par contre. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là, madame? Attends, elle ouvre un truc là. Hein. Attends, elle va mettre ça dans les yeux peut-être. Ok, bon, objectif, sortir Kelly d'ici déjà. Mais Kelly, qu'est-ce que tu fais? On a à peine commencé si, l'aventure. Si je quitte, tu peux me réinviter? Non, mais il est incroyable. Comment t'as fait ça? Sur ce jeu, je sais pas comment ça marche en vrai. Je... Ouais, attends, mais parce que. Tu peux te coincer là-dessus. Mais la dame, elle fait des trucs stylés. Attends. Genre, j'ai sauté sur le tronc pour essayer de monter et. C'est ça ton équipe que tu m'avais promis, Ors? Eh ben, je te le dis. Réinvite-moi. T'es pas prêt de partir. Hein. Comment tu fais déjà? Bah, t'as échappé invitation. Ah oui, pour t'inviter. Ah, bah oui. On pensait pas du tout à ça, nous. Alors, invitation. Ça, c'est pour hop, mon équipage. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en face et qu'on a complètement raté. Ah bon? Bah regarde là. Attends, mais elle reparle. Bah oui. Ah ouais, il y a un truc là-bas, regarde. Mais oui, on est en train de... C'est ça, je t'ai dit, elle faisait un truc là, madame. Ah bah, c'est bon, je suis en train de rejoindre. C'est parfait. Bon, ok. Ça y est. Ah non. Comment ça, Kelly a quitté votre équipage? Attends, okay, ça dans charge. Tous les cas, en attendant, viens, on va fouiller l'île, on va voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer dans les tonneaux, ça a pas dû changer ça. Eh, regardez, par contre, je suis là. Je connais pas, ça c'est des boulets incendiaires, je connaissais même pas ça par exemple. Ah, ça je connaissais. Go récupérer un peu partout dans les tonneaux, vous récupérez tout ce qu'il y a en fait, ouais. Et on va le mettre dans notre bateau. Donc ça, vous lootez tous les tonneaux. Genre. Les verres, je sais plus à quoi ils servent. Non, mais il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est par contre. Hein. Donc on a la fable de Filibustier, ok. Okay. On va voir ça. On va déjà essayer de faire des trucs utiles le temps qu'il arrive. Je suis là. Ah d'accord. Oui, bah, fais des trucs utiles aussi. Reprends. Ok, je fais des trucs utiles. On récupère en fait dans les tonneaux. Enfin, je sais pas si tu connais, mais dans les tonneaux, t'as des ressources. Si tu les récupères, ça sera à mettre dans le bateau. Oublie du chaos, déploie une onde de. Mais tout ça, moi, je connaissais pas. Moi, j'étais resté au boulet normaux. Hein. Faut arrêter un moment. Ah oui, par contre, il y en a des vénères. Hein. Bon, ça va pas être bien compliqué de toute façon. Ça c'est j'ai quoi, des c'est des boules. Je range dans le bateau en attendant. Ah oui, c'est ça notre bateau. Les poulets chaînes, ça c'est pour le mât, ça je connais. Okay. Merde. Bon bah déjà allons-y. Je suis tombé dans l'eau. J'ai raté le coche, donc déjà à partir de là. J'en peux plus. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Moi je suis en train de ranger.
entre l'un et l'autre. Oh, du coup, prenez connaissance du navire. Est-ce que vous avez un peu les bases ou pas du tout, par contre, pour si, les navires? Oui, si, si, j'ai les bases. Ça flotte sur l'eau. C'est bien. C'est exactement. C'est tout ce que tu as à savoir, Kelly. Donc, en gros, le navire en bas, Kelly, ça, c'est pour choisir tes armes, ici. Ouais. D'accord? Ça, à côté, c'est pour récupérer des planches ou les poser. Ces planches serviront pour réparer le bateau. Il ne me regarde pas du tout. Oui, si, je t'en regarde. Tellement pas. C'est où, par contre, les munitions? Je sais pas. Ah, mais moi aussi, j'ai une tenue. Attends, il est larves, c'est quoi? C'est à manger? Ouais, mange-les. Attends, on va voir si je peux les mettre là-dedans. Mais 100%, ouais, c'est à manger, ok. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, les munitions. Les munitions, c'est juste à côté, en fait. C'est juste là, par terre, ok. Ok. C'est où le truc pour ranger Voter pour annuler la fable, ok. Et donc là, au niveau de la quête, on est d'accord, normalement, on l'a là-dessus. Voilà, donc on a deux choses, on a deux objets de quête. Quand vous appuyez sur A et sur espace, on a les quêtes. Par contre, là où on est quand même avec des joueurs ou pas sur cette map? Je pense pas, hein, si. Bah moi, perso, je sais pas. Je continue d'aller chercher des ressources, hein. Oui, après, en vrai... Oh, on sait jamais. Mais attends, mais... Non mais attends, elle a une tenue elle aussi d'où? C'est ce que je t'ai dit, tu ne m'écoutes pas. Attends, c'est quoi ta tenue là? J'avais ça. Et après elle me l'a joué. J'avais ça dans le bateau. Oh la tienne est plus stylée, il y a des bijoux dessus. Tiens, viens, viens. Bah bien sûr qu'elle est plus stylée la mienne. Beaucoup plus stylée. Mais pourquoi toi c'est stylé, moi c'est pas stylé? Je ne répondrai même pas à cette question. Donc du coup, brigantine, tac tac, ok, il y a quoi? Il y a deux voiles, truc derrière, ok. On me dit qu'on est quand même avec d'autres joueurs sur la map. Ah. Qui c'est qui a tiré un boulet? Oui, mais je voulais juste ouvrir mon journal de quête, ok? Ah bah si c'est comme hier à bouffer des assiettes, on a fini. Alors, la marée déchaînée m'attire. Un endroit où le rêve d'un pirate peut vivre éternellement. Comment okay. On voit son perso? Alors en fait, tu peux laisser appuyer sur W et tu fais une emote au pire et tu te vois. J'ai des claquettes. Par exemple. Ok. Et celle-ci a marqué quoi? Avant-poste Plunder. Le 21 avant 22h. Inventaire des biens, une caisse de fruits, par ordre officiel. Les caisses à livrer peuvent être récupérées auprès de tout marchand. D'accord. Ok. Et ça, c'est dans les objets de quête, hein, si jamais. Hein. Attends, je range et je regarde. Let's go. Donc. C'est bon, vous avez pris tout ce qu'il y avait là? Oui. Presque. De toute façon, on est d'accord, faut naviguer vers le truc là-bas, quoi. Bah la marée déchaînée m'attire, donc bien évidemment. C'est tout est écrit, en fait, hein. On peut pas faire mieux, hein. Bon, allez, let's go. On décolle. On lève même pas la voile avant et tout, on prépare pas le... Bah, je sais pas, tu peux lever l'ancre avant, hein, c'est pareil. Bon, vas-y, qui va à la barre? C'est bon, on sait qui va à la barre. Allez, let's go. Alors. Alors, au niveau des voiles, juste, on a deux voiles normalement. Donc, ça se gère derrière et vers le milieu du navire. Oui. Et il y a un truc pour gérer la longueur des voiles. Il y a un truc pour gérer l'angle des voiles. Et l'angle, il faut le mettre dans le sens du vent. D'accord? Donc, là, vous deux, au lieu de rien branler là. Quoi? Pardon? Ah, pardon? Excuse-moi? On le fait le boulot, hein? Non, excuse-moi. Il n'y a que Kylira qui branlait rien parce que Kelly est en train de faire celle d'avant. Eh non, oui. Mais alors s'il vous plaît. Attends, toi s'il te plaît, poète, hein. Eh oui. Pardon. Mais on regardera la rediffusion, s'il vous plaît. Bah oui, il y avait Kelly qui était devant en train de changer les voiles. Et toi, t'as toujours pas bougé les voiles, hein, d'ailleurs. Mais c'est terrifiant, là. Tu bouges les voiles, s'il te plaît. C'est terrifiant. Et effectivement, je les bougeais pas, tu sais pourquoi? Parce que je m'aperçois que je suis pas sur le bon truc. Exactement. Et mais ça... si jamais c'est pas gauche et droite, hein, c'est juste devant et derrière, regarde. Là, t'as un truc ici aussi, hein, pour l'angle des voiles. Là où je suis. Oui bah voilà. Bah c'est là que ça c'est les angles et ça c'est la longueur. Oui bah voilà. Bah moi j'étais sur la devant, longueur. Devant derrière. Incroyable. Ouais, mais juste que ce soit dit. Par contre je vois plus rien. Le truc il est à gauche. Oui, du coup j'ai pas navigué. Que... Oui bah moi je prenais pas la barre d'habitude. J'aime pas prendre la barre. Ah bah d'accord. Ah bah moi je veux bien la prendre. Hein. Vous pouvez réduire les voiles là par contre s'il vous plaît. Ah ça, tu te sens gêné d'un coup? Bah non c'est surtout que je vais beaucoup trop vite et que je vais prendre le caillou quoi. Je vais pas arriver à braquer. En gros, l'idée c'est qu'on est sur une brigantine, donc il y en a un qui prend les voiles avant, l'autre les voiles arrière et l'autre la barre. Prends les voiles avant. Mais après, en vrai, tu peux faire la barre et les voiles en même temps. En fait, là où c'est perturbant la barre sur un navire, c'est que bah du coup, ça continue de tourner, c'est après que t'as fait le truc, genre. Je sais pas comment dire.
C'est pas un volant, en fait, c'est pas de l'instantané. Et là, je sais pas où j'en suis. Tourne à droite, 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 droite. Oui, mais en fait, ça fait longtemps que je tourne à droite, hein. Ah bon, bah alors attends. Va... Enfin, je prends le temps en main. Hein. C'est pas possible, t'as lâché la barre ou comment ça se passe? Mais non, mais parce qu'en fait, ça se fait pas instant, genre. Ouais, ouais. Ça se fait en décalé. Mais montez les voiles, hein, par contre, vraiment. Ok, ouais, bon, c'est bon, t'as ce tour, on y va. Ah, y'a un clic quand on va tout droit, ok, c'est bon à savoir. Parce que du coup, il y a le truc au niveau de la barre qui nous permet de savoir quand c'est tout droit, mais si tu l'as tourné une fois de trop, voilà quoi. Ouais, on est où là? C'est joli. C'est beau. Oh, oh. Ah, c'était lui. Mais... C'est pas possible. J'ai essayé, hein. On est où là? De toute façon, je pense que ça va être tout droit. Hein. En vrai, il n'y a pas de vent. Hein. Je sais même pas si les voiles elles vont servir à quelque chose. Hein. À part me gâcher la vue. C'est joli. Ah, il y a des trucs. Attends, mais il y a des trucs devant là. Ah, c'est oui, plein y a de des bateaux fantômes. Il y a des gens dessus. Vas-y, j'ai envie de sauter. Ouais, il y a des gens. T'as envie de sauter? Mais. C'est terrifiant, hein. Quoi? Toujours tuer les gens comme ça. On sait jamais, hein. On n'est pas sur Hunt. Un pistolet. Bah, écoute, je pense qu'il faut aller tout droit hein, pour l'instant. Oui, c'est super beau par contre. Oh! Ah, mais c'est toi! Tu peux pêcher ou j'ai pas? Cru que c'était eux! Je sais pas. C'est pareil, la pêche, j'ai su qu'elle avait été rajoutée, mais je sais même pas comment elle marche sur le jeu. Ah, on peut pas sauter. Ah bah. Alors, maintenez. Ok, relâchez. Ah. Apparemment, tu peux pas pêcher. Y'a un mégalodon qui va sortir, j'ai rien compris. Y'a un navire en face de nous. Hein. Ok, ça doit être pour le lore. Peut-être prendre des boulets de canon sur nous au cas où. Hein. Non, vraiment. Moi je pense. Oh, y'a des gens sur notre bateau! Je crois que lui il va tomber, hein. J'avoue. Ok. On va aller jusqu'où comme ça là? Bon, on avance tout droit dans la faille, hein. Ok, ouais, c'est là-dedans. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Kelly, il a rechargé tous les. Ouais, par contre, ça c'est bien, Kelly, ce que t'as fait. Ça, c'est top. J'adore. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Ça. Tu les charges en avance, c'est bien. Ça me fait juste rire parce qu'elle va passer son aventure à être en mode. C'est bien ce que t'as fait. Hein. Ah, moi j'adore. J'ai une cinématique. Pareil. Alors. Navigation avec plus de joueurs. Oui, donc c'est ça, on peut croiser des gens, on peut PVP là en fait. Ça reprend d'un coup là? Peut-être, on va peut-être lever, on va où là? Attends. Je relève un peu les voiles moi, on va où? Bah fallait suivre l'histoire hein, un moment. Mais non, mais parce que là on va droit sur des rochers non? Oui, bah oui, je vois bien les rochers. Ouais. Moi je vais relever les. Hein. Ah, on a perdu l'un des deux trucs et le bouquin. Il n'a pas changé, on peut pas tourner. Tourner le volant, hein. Bah oui, mais. Bah tourne-le le volant. Bah ouais, tournez-le, hein. C'est quoi qu'il y a là? Attendez, faut peut-être. Mais non, faut peut-être se poser ici en fait, non? Tu penses? Ouais, en vrai, peut-être, hein. Bah, vas-y, j'y vais. J'y retourne. Je sais plus où on fout l'ancre. Il suffit de laisser appuyer devant là et ça la lâche. Ah, c'est ça, ok. Ah, c'est ça le cliquetis quand tu. Là, c'est quand je vais tout droit, ok. Ok, tu dis. Ouais, je l'entends, effectivement. Kelly, tu me dis quand je lève l'ancre. Enfin, je la jette ouais, surtout. Hein. Comment on charge le pistolet? Bah, R pour recharger, mais après, si tu veux d'autres balles, elles sont en bas. Wow. Pour peut-être reprendre un stock de munitions. Elles sont belles, les En vrai, lâcher l'ancre, hein. Je pense que ça va être ok. Hein.
Par contre, elles sont trop belles, les plantes, là. Ok. Si t'as plus de munitions, ouais, c'est en bas, c'est ici pour récupérer. Je me rappelle qu'il y a un truc où tu peux charger ton coup pour aller plus vite, là. Oui, mais ça marche quand t'es sur la terre. Ça marche pour revenir sur le bateau, non? Ouais, mais c'est pour aller vite aussi quand t'es sous l'eau. Oui, merci beaucoup, Kiryu, bah ouais, pour l'abonnement. Ça va et toi? Merci beaucoup. De la terre, attends. Bon, je pense qu'on va trouver David Jones, là, en marchant un peu. Je sais pas, on va explorer, on va voir. On va explorer. De toute façon, on est là pour explorer. On est d'accord, cette île-là, elle n'existait pas dans le jeu, hein, de base. Hein. Personne ne sait, ça me dit rien. Mais après, ça fait longtemps que j'ai arrêté le jeu. Oui, mais pareil. Non, mais vu comme la musique... Eh, une statue. Bah voilà, c'est ça. Voilà, ça doit être le passeur. On est pas vivre. Et comment on les tourne? Ça doit être le passeur, ça. Il y a du feu, ça brûle. Je le sens mal. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'ils sont morts, on peut y aller. Tenir la lanterne pour l'allumer. Ah oui, si tu t'équipes de ta lanterne, je crois que tu peux changer la couleur. Il y a un délire, mais je sais plus comment. Lever la lanterne pour l'allumer. Comment t'as fait pour la lever. Oh là là, mais quel crack. Ah, possible de prendre le feu de l'âme, moi ça me marque. Merci Kelly. Tu peux tourner les pages, t'as vu? Ah bon? Comment? Oui. Mais je t'ai posé c'est la question. Waouh. Le rêve des pirates ne tient pas à cœur de tous ceux qui voyagent jusqu'ici. Un grand mal cherche à mettre fin à ce rêve. Bon, en vrai, j'ai remis la musique, mais en fait, là, c'est plus stressant qu'autre chose. Ça fait un vieux son bizarre, là, derrière. Il y a beaucoup de choses à lire. Un grand mal cherche à mettre un... Certains se rangeraient de son côté et rêvaient d'un... C'est vraiment important ou pas, ça? Ah, mais oui, pour le lore, lis. Oh là là. Bah oui. Bon, j'en étais où? La mort n'a pas de droit ici, un autre garde la porte entre les mondes, c'est le travail du passeur. La liberté est le rêve d'un pirate, mais un destin plus funeste que la mort attend ceux qui y tiennent précieusement. Le passeur le sait et le redoute, mais il doit remplir son devoir, il se doit de mettre au fer celui qui pourrait sauver ses eaux. Un prisonnier transporté à travers les vagues de l'éternité qu'aucun pirate n'a jamais pu contempler, du moins pas en vie. Ok. On a besoin de pirates courageux, tout ça, regarder la lueur verte de l'horizon, vers la lumière qui vous mènera au rivage maudit. On y est, je pense. Ok. Très bien. En fait, c'est ce qu'on aurait dû lire avant de prendre la lumière au tout début, quoi. Très bien. On va allumer la lanterne. Ok. Par contre, vraiment, la musique derrière me stresse plus qu'autre chose. Hein. Ah oui, requiert lanterne, effectivement. Ah. Vas-y, allume sa lanterne. Faut lever la lanterne pour allumer. Merci Tixi, merci beaucoup pour ton Prime, comment tu vas? Merci beaucoup. Ah, c'est fini le fond là. Oh. Stylé. Ça, je peux pas récupérer, moi. De quoi? J'ai pas le droit de récupérer. Ah, c'est bon. La lumière verte. Ça marche pas quand tu le fais? Si, c'est bon. C'est bon, ça marchait. Parce que maintenant, le son est un peu fort. On va y arriver. Oh.
Ah, c'est stylé par contre, hein. Le level design, il est vraiment magnifique. C'est la musique, c'est sympa. C'est la musique qu'il y a à Disney quand il fait Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Oui, on a compris. Les morts ne parlent pas. C'est bon. D'ailleurs, qui c'est qui parle, là? C'est pas un mort? Ça se trouve, il est vivant. Faut une poignée. Requiert une poignée. Faut trouver une poignée. Ah. Aïe. Alors si jamais d'ailleurs Kelly, la nourriture sur ce jeu, ça te permet de te soigner. Quand tu s'appuies sur A, c'était un truc en... à manger. Là il y a un monsieur, j'ai l'impression qu'il a une poignée là où je suis. J'ai trouvé une poignée. Oh, c'était ouais. Peut-être pas une poignée alors. GG Kelly. GG. Et utiliser. Oh merde. Oh non. Okay. Toi aussi. On est deux. Moi aussi je suis tombé. Oui oui bah c'est bon, t'es obligé de le crier trop fort, Kelly il avait pas vu encore. Attends, mais comment on remonte? Kelly, tu peux nous aider, s'il te plaît? Non. Bah quoi? Ah bah alors là. Mais fais le tour, toi, au lieu de faire que sauter. Mais quoi, fais le tour? Bon, allez. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Après, faut passer par là. Elle va retomber. Ouais, tu sautes maintenant. C'est bon. Non, effectivement, on va prendre du temps pour les faire, c'est fable. Ah oui, 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 clairement. Effectivement, on y est pour un moment. J'ai vraiment envie de sauter par contre dans la barque. Hein. Essaye hein. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la VR et que t'as l'impression que c'est réel le truc, t'as envie de t'asseoir sur une chaise ou t'accoudes à une table ou quoi alors que ça y est pas du tout. Écoutez bien, les morts ne racontent pas d'histoire. Ils arrêtent pas de dire que les morts ne parlent pas, qu'ils racontent pas d'histoire, c'est bien. Attends, ça fait quoi ça? Bah là, ouais, puis c'est une touche. Ah, okay. Bah. Non! Oui! Pire. Mais. Voilà, parce que. Juste que tu laisses le truc en haut là. C'est bon! Par contre, comment il passe lui du coup? Ah, mais c'est bon en fait. Okay. Je croyais qu'il devait le tenir. Ok, ok. Y'a rien là-dedans. Tombé. Y'a un truc là. Y'a pas un levier là. On va attendre Kelly. Ah oui. Si, attends, requiert lanterne. Là y'a quelque chose hein. Ah bah vas-y. Nice. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Bah j'ai l'impression que ah, y'a un bateau qui arrive. Ah. Oh mais y'a du monde à bord de ce bateau. Oui. Bah, merci Gaston pour ton arrive. Abonnement. Merci pour ton T-Bit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'ils vont déverrouiller un truc, faut juste attendre qu'il passe. Il va tirer sur. Ouais. Oui, il parle pas. Que les morts ne parlaient pas. Et tirer sur la corde. Bah, voilà, ah, mais j'ai déjà essayé. C'est le truc que j'ai testé tout à l'heure, ça a pas marché. Oh, c'est trop stylé.
Le pognon. Vous êtes où? Elle est où Non mais... Ben moi je regardais le truc et je mettais mes lunettes pendant ce temps. Bah super, vous m'avez abandonné lâchement, moi. Vous êtes où? Vous voulez pas m'aider? Non mais vraiment. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez monte. Et comment vous avez fait pour aller là-bas? Derrière toi. Derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Là en face de toi, vas-y monte. Avance. 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 Ah oui, là, d'accord. Allez. J'arrive. Alors, excusez-moi, je retire. Ça va pas être long. Ça va être très long. Ça va être vraiment très long. Oh bah écoute, hein. Non mais remettez ces lunettes, maintenant ça va aller. Non mais là, je les ai enlevées du coup parce que je voyais moins bien. On est dans un manège là ou Comment il est passé, Kelly? Quoi? Ben j'ai... Mais redescendez! Comment ça? Non mais, par l'échelle! Oui, non mais je peux plus revenir en arrière, je sais pas pourquoi. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Ah parce que moi je l'avoue, hein, moi j'ai pas compris. Ok, fallait que je saute. Non mais c'est bon. Mais juste je pouvais pas revenir en arrière sur le moment. Bon, les morts me parlent pas, on le sait hein, au bout d'un moment. Toi aussi t'as vu ça, sinon on peut utiliser la poulie. Ah oui, ouais. C'est vrai. Regarde, je remets le mât en place et là on va pouvoir jump. C'est pas simple hein. Ah non mais c'est pas tout simple hein. Et attends, mais moi comment je fais pour... Allez, bah de l'autre côté on va pouvoir le faire je pense. Ou on va pouvoir te regarder. Ah ou alors quand je le remets il va repartir tout seul. Si je lâche. Ouais c'est ça en fait, il repart tout seul, ok. Je vous rejoins les gars. Ouais ouais. Je t'attends, je te regarde. Ah, par contre, il y a un truc qui me perturbe dans les touches. Est-ce que je peux le régler ça ou pas? Tu sais, j'aime pas. J'aimerais laisser appuyer sur la touche pour courir en fait et que ça se fasse pas tout seul. Là. J'en ai marre de l'appuyer une seule fois et que. C'est pas là-dedans, ça doit être là-dedans. C'est pour sprinter, ok, mais... Il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen de le mettre en auto ou pas, en fait. Bienvenue à Sixi en train de rejoindre et merci beaucoup encore. Hein. Sixi pour ton Prime et Castor pour tes 100 bits, merci beaucoup les binômes de l'enfer. Je crois que ça y est pas. Hein. Accessibilité, il me semble. Coucou Toulouse, ça va bien et toi? Allez, viens dans l'eau. Attends, mais je... Oui, mais je regardais un truc pour les réglages. Oui, je sais. Non, je cherche que... En fait, ça me perturbe d'appuyer une fois sur Shift et qu'on mon perso full court. En fait, j'aime bien laisser appuyer sur Shift pour savoir quand est-ce que je l'arrête, en gros. Oui. J'avais, ça, même ça pas j'avais même pas calé, tu vois, qu'en appuyant une seule fois, tu courais automatiquement. Moi, je restais appuyé. Si. Mais Et du coup, je sais pas s'il y a de la stam ou quoi, mais ça s'arrête tout seul et tout. Mais du coup, j'ai trop de mal à gérer le. Ouais. Le truc de la stam et tout, si jamais. Un peu chiant. C'est pas grave. On va faire avec. Alors, lanterne, toujours. Oh. En tout cas, les décors sont sympas pour l'instant. Ah oui, c'est très beau. Pas. J'imagine qu'il y a une solution, bien évidemment. GG, je sais pas qui a fait quoi. Personne n'a rien fait. C'est moi, j'ai regardé, c'est bon. Juste regardé.
Oh. Oh. Attends, il y a un... Ici. Ok, on peut rien faire avec. Vous mettez combien sur 10 à ce décor? Bah après, c'est quand même un peu glauque, hein. C'est pas là où je me fais revivre. Hein. Ah bah moi, par contre, totalement, tu vois. Ça, ça va être à monter. Comment vous avez fait monter l'autre pont là-bas? J'ai allumé un brasero. Ça va être la même chose, je pense. Quelqu'un qui parle, je ne sais pas qui. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up here. The own crew, a bunch of treacherous curs. Ah, but this be no. Il y a quoi ici? Sinon là il y a un escalier avec une porte. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut la passer? Non, faut sauter. Parce que là il y a un petit escalier, on l'a pas regardé. On va y aller. Non mais c'est juste que moi je fais toujours tout ce qu'il y a sur le côté avant d'aller tout droit sur le truc le plus obvious pour voir s'il n'y a pas des petits trucs ou quoi. Comment on peut s'accroupir? Bah j'ai essayé avec CTRL et C et j'ai pas pu. Eh hey, comment il était là-bas lui? Bah j'ai sauté. Eh hey, regarde. Ah non, c'est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai ouvert la porte. Oh. Oh, il y a un bouquin par contre. Ah. Distension dans les rangs. Par le capitaine maudit. Je voulais un repère pirate et me voilà à la tête d'une ville pirate entière. Les navires continuent à s'échouer dans les rochers apportant de nouveaux arrivants et du ravitaillement. C'était la faute de ce stupide gardien de phare qui laisse la flamme s'éteindre sans arrêt, mais je laisse les pirates rester du moment qu'ils rejoignent les rangs toujours plus garnis à mon équipage. Ouais. Ok. Bon, rejoignons Kelly. Comment on fait pour le rejoindre? Y'a rien d'important. En vrai, c'est vraiment par là où il est passé avec l'eau et tout, hein, je pense. Hein. Et en fait, là où t'étais avant, et où j'ai sauté dans l'eau. Ouais. Ouais, c'est ça, mais en fait, nous, de notre côté, on n'a pas la. On n'a pas la même chose. Comme ça, t'as. Si? Genre, va. Ouais. Passe sur le mât. Ouais, il faut que je repasse sur le bateau, en fait. Faut que pas je remonte passer, sur le bateau. Faut faire tout le tour par le bateau, ok. En gros, faut remonter sur le bateau et sauter dans l'eau de son côté, parce qu'on peut pas, par notre eau à nous, le rejoindre, je crois. Ok. Du coup, il a fait ça random, mais en fait, c'était vraiment le chemin, je pense. T'es là? Je suis là. Ouais. Comment ça monte? Tourne. Il faut appuyer sur la touche pour descendre pour monter en fait, ok. Quoi? Bah, en gros, ça fait comme si j'étais sous l'eau et je suis morte. Alors que j'étais avec toi sur la... What the... Mais... Bon, bah, j'arrive. Nous, là. Bah, ah non, t'es là-bas, ça va, t'es pas trop loin. Oui, non, ça va. J'ai pas compris, par contre. J'arrive. Il faut une clé. Ok, les livres, apparemment, c'est juste pour faire les secrets et avoir des skins spéciaux. Oh, en bah vrai, alors, on va peut-être pas focus dessus, quoi. Ouais, mais dès qu'on en trouve, on les prend. Bah, en vrai, on n'a pas pu le prendre, c'était juste à lire. Donc, après, si le fait de le lire, ça peut servir pour ça, c'est ok, tu vois. Mais... Ouais. Bon, bah, j'arrive du coup, excusez-moi. J'ai été noyé en montant. Pas beaucoup de bateaux, c'est normal, là, c'est le début. C'est la campagne surtout. Allez hop.
Ouais, c'était peut-être le fait d'être à deux qui l'a considéré comme ça, du coup. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. On me dit que c'est le jeu qui t'a considéré bug et qui t'a peut-être TP en arrière. Ah! C'est bon, t'es en haut, tu peux c'est lâcher. Bon, hein. Je peux lâcher? J'ai peur du vide, je te l'ai pas dit. MDR. Ok, bon, du coup, ça, ça s'ouvre pas. Clé. Donc là, il faut qu'on trouve une clé en gros. Kelly, t'as trouvé la clé depuis le temps, non? Ouais, ouais, il faut sauter par là. Ah, parce que j'ai une poulie ici. Je meurs. Oh la bêtise. J'ai peut-être un peu contribué. Allez, non mais qu'est-ce mais c'est non mais... c'est pas comme ça. Ça permettait de sauter. Oui mais l'autre il sert à quoi l'autre côté ce que je veux voir. Bah attends comment ça il sert à quoi. Bah il y en a deux passages. Là oui ça sert ça permet de sauter je veux bien mais. Là j'arrive à monter. Il y en a un deuxième là-bas. Parce que de là, je peux sauter là-bas direct. Donc à quoi sert le deuxième là? J'en sais rien moi. Mais attendez, attends. Ah non, mais ça c'est le truc que j'avais. Ah et là, il y a encore la poulie, c'est la même. Ah mais en fait, c'est pour jouer avec celle-là pour revenir ou quoi? Ok, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est par là, Kelly, faut... ou pas? Ouais, regarde, il faut une lanterne. Ah bah vas-y, mais là. Ouais, ça brûle. Ah, il tombe. C'est pas possible. Yeah. Attends, parce que là, tu reviens sur le bateau où tu vas dans l'eau après, là. Je suis descendu. Ah bah, il faut une clé. Pour en bas aussi, t'as besoin d'une clé? Oui. Putain, mais t'es sûr qu'on a rien oublié de ce côté-là? J'en sais rien, moi. Là-bas, y'a un truc qui brille, là. On va trouver la taverne. Ah ouais, c'est vrai qu'on pouvait lire aussi. Bah oui, il a dit trouver la taverne. Il a dit trouver la taverne parce qu'ils ont dit. Quand t'as dit ça, j'ai lu du coup. Joli, t'inquiète. Je fais les lectures. Tant mieux, tant mieux. Mais je lisais au début et après il a parlé trop longtemps. Après t'as lâché. Moi je sais pas lire. Ça va plus vite. Ok, donc ça. Ouais, c'est ici la taverne, non? Là? Oui, c'est vrai que c'est une tête je de taverne. Je pense que je l'ai, hein. Truc, ouais, j'ai une taverne. Waouh! Voilà une vie de pirate. Du coup, on a deux clés à trouver. Enfin, à moins que ce soit la même, mais je pense pas. Ah, oh, c'est vraiment la chanson. Oh, incroyable. Alors. Oh, il y a une indication y a là sur une carte. On a une croix au niveau d'un truc. Un truc, ouais. De un rocher. Mais attends, mais juste, est-ce que ça on peut l'avoir ou pas, non? Comment t'as vu la croix? Ouais, sûrement. Pas. C'était où? On c'est est dans la terre. Au-dessus de toi là. Ah, au-dessus de moi? Mais attends, parce que moi j'ai trouvé la clé, moi, hein. Je suis en train de la récup. Là, je suis en train de baisser le truc et... Attends, je vais le descendre. Voilà, là, normalement, tu vas pouvoir récupérer. Il y avait pas accès de là-haut. Je sais pas, mais en tout cas, moi... Ça, c'est la clé de la cage, du coup. Ok, vas-y, prends-la. Nice. Bien joué, ouais. Mais du coup, je sais pas si de là-haut... Ouais, non, on y avait peut-être pas accès, ouais. Alors là-haut, il y avait quoi? Je vais regarder. Ouais, tout là-haut, là, t'as une carte. Ouais. Mais le problème, c'est que... On est obligé de la lire d'ici. Ah, c'est stylé, par contre. Et là, il y a un bouquin. Le butin d'une vie. Alors t'es où? Attends. Alors on est ici, on va tout devant, on va à droite. Ah on est à 2 sur 5 progression, ok ouais. T'as fait full continuer, t'as pas lu? Peut-être. D'accord. C'était juste. Je l'ai pas fait trop rapidement. Hein. Ah, les gens ont eu le temps de lire s'ils voulaient. Même s'ils lisent très vite. D'accord. Ils lisent très vite. Allez bah on va aller ouvrir ça. Ouais.
Je te suis, hein. Ah bah j'ai trouvé une larve. Peut-être pas ça. De quoi? J'ai trouvé une larve. C'est pour manger, c'est pour tuer. Je crois. Il était tombé où lui? Il est là? Tiens. Non merci, ah. C'est rien. Vas-y, garde-les. Ça marche. Il y a une tête qui parle. Qui c'est qui porte? Moi, je vais la porter. Oh! Bah oui, il a vomi, forcément. A bouffé des conneries. Bah, Kelly? Il mange des larmes. Quoi? Non. C'est toi qui as vomi. C'est Kelly qui m'a vomi dessus, là? Mais je crois que tu t'es fait vomir dessus, t'en as sur l'épaule. Ah, mais je vois plus rien. Ah, oh, c'est... Je voyais plus rien sur mon écran, en fait, hein. Comment on pose la tête? Je sais pas. Mais quand tu seras au bon point, je pense qu'il faudra la poser. Attends, parce que là où il y a le... Ça, c'est pas le... Ah ouais, non, il y en a d'autres là-bas aussi. Ok, il y a eu plein de succès, là. J'étais parti pour chercher... pour mettre des coups de pelle un peu partout, pour trouver la croix. Ben moi, je me demande si c'est pas par là, hein. Je pense que c'était de ce côté. Bah... Ça faisait un petit crochet. Attends, là où il y avait... Mais le phare, attends, mais le phare il est là-bas, le point de repère c'est le phare. Du coup. Et une larve aussi. Ah, on est là, vous pouvez la manger. Attends, je vais retourner dans la taverne, parce qu'en fait le point de repère c'est le phare qui est là-bas à gauche, je pense, la tour. Et du coup je me souviens plus comment était fichue la carte. Ça aurait été bien de pouvoir la voir du coup. Alors moi j'ai pris un screen, mais t'as une flèche sur la carte qui t'indique où tu es. Ah bon? Oui. J'ai même pas fait gaffe. Attends, parce que du coup là il y a le phare et tout, mais la taverne, ouais, c'était à gauche. Je vais regarder. Pour moi, c'était là où on était. Mais après, c'est faux. J'ai dit vieux phare. Ah. Putain, mais je veux quand même regarder la carte, moi, parce que le phare, au final, il est là-bas, c'est vers là où je vais. Donc le phare. Le phare est là, on est un peu à gauche. Par rapport au phare. En fait, faut réaller en face à gauche, du coup. Donc par rapport au phare là. Et où le phare? Bah, c'est ça à gauche, là, non? Oui, c'est le point le plus haut, hein, donc. Ça, on va y aller au phare, on va voir. Pourquoi on va au phare? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que le mec il a parlé d'un phare. Ouais, mais bon, quand même. T'as voulu porter la tête, maintenant t'assumes, hein. Ah, bah le phare, non, il se lève pas de toute façon. On peut pas. Il faut lever le. Il faut. Il y a pas le pont. Pas le pont, saute. Non mais là du coup ça passera pas, ok. Sauf si... Non je pense pas. Mais du coup la croix pour moi elle est plus... Là-bas à gauche là. Allez vas-y one shot ça. Genre pour moi la croix elle est plus vers là non? Ah ouais non mais je sais pas. Genre là. Genre au hasard vas-y, au vas-y, hasard vas-y. Là-dedans. Le coup de... Ah oui j'avoue. Peut-être pas. Y'a rien. Non mais ça doit être les alentours là. Normalement elle devait être plus loin je dirais mais genre là. On va tout creuser. Attends. Ah non mais c'est lui qui parle. Je comprenais pas. Je sais on a peut-être quelque chose. Non mais je pense qu'à force de taper un peu partout on va entendre le bruit hein. Pas de strat. En fait oh. C'est perturbant de pas avoir la carte pour vérifier exactement où on est quoi. Parce que moi j'ai pas une mémoire en mode j'ai besoin de faire les choses. Je suis perdu. Le phare est là-bas. Pendant ah j'ai trouvé pour poser la tête. C'est vrai? C'était où? Ouais. Attends mais là il y a un trésor qui suit jusque là là. Est-ce qu'il faut pas suivre ça? Ah mais j'avoue il y a des pièces de partout. Oh t'as tapé dans un truc. Ah j'ai des larves. Bah j'ai cru entendre un truc métallique. Ouais c'était des larves. Super. Super les larmes. Comment on va pas monter là-haut là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toi aussi t'as des larmes, MDR. J'ai pas envie de les prendre. Pas trop mon truc. Attends, c'est où qu'il a mis sa tête là? Ça a débloqué quelque chose ou pas? Non mais tu peux la poser par terre. Ah.
On peut pas rentrer là-dedans? Je sais pas. J'ai envie de retourner voir la map du coup, mais ça va être chiant en fait, je vais faire que ça. Vas-y, j'y vais. Non mais attends. Et ça c'est quoi? Tu vas me dire ça s'ouvre pas ça peut-être. Ah ça c'est ah, le phare, oui. Nous on est juste à côté. Là on est quand même à la recherche d'argent. Hein. Non mais sachant qu'on va à la croix, mais ça se trouve il y avait vraiment autre chose à faire hein, après. Hein. Ah, après, mais moi, les je mecs, pense que la croix, c'est pour un trésor. Moi, je pense que la croix, c'est pour un trésor. Et après, il y a la trame, la suite, quoi. Ah, tellement agréable, cette musique. Avec cette odeur de chlore, là, quand tu vas dire, c'est incroyable. Bon, en vrai, c'est là où on était, hein. Non, mais ah, en fait, attends, le trésor, il a déjà été récupéré, je pense, tout simplement. Hein. Parce que c'est le trésor qu'on a vu, c'était vraiment le trou qu'on avait, hein. Je pense que cette croix, c'est juste pour dire qu'il y a un trésor qui a été récupéré, mais c'est pas du tout en mode vous allez l'avoir. D'accord. Parce que là, clairement, il y a le phare ici, le chemin. Après, il y a le petit truc qui va à droite, c'est là où on pouvait monter. Donc pour moi, la croix, c'est là où le trésor a déjà été récupéré en fait. Ouais. Quasi sûr. Hein. Moi, je pense que c'est ouais, ça. Je veux le trésor. Mais du coup, c'est peut-être pas l'objectif de le récupérer quoi. Non, mais on après, va peut-être. Il faut voir jusqu'où il a là, été. Là, il y a peut-être un truc là où il faut réactiver le pont. Hein. Enfin, moi je vais retourner du coup oui, vers bah, où il y avait pareil, le trésor hein. De voir ce que ça donne. Ça serait dommage quand même de passer à côté. Attends, c'était pas du tout par là. Mais oui, moi je te suis bêtement. Je suis parti du bateau et pas du phare. Ah. Le phare c'est là-bas. Ok, on va voir ça. On va regarder. Hein. Si on a raté un truc super important. Mais surtout que ça, on voit le. Bah là-bas, il y avait le trésor qui était récup. Et ensuite, le trésor, on voit qu'il y a l'or qui allait là-bas. Mais après, on a vu qu'il y avait le trésor dans le bateau, mais je sais pas si on pouvait faire quelque chose avec. Mmh. Ouais, j'avoue que. Ah, ou à moins que ça revienne là, ok. Mais en fait, ça nous fait revenir sur nos pas, quoi. J'en peux plus des larves. Hein. Sacré chemin. Et je crois que le trésor est plus là. Hein. Faut le creuse, non, ou pas? Je pense que ça a été déjà récup. Hein. Ah, non. Ok, j'ai un truc. Oh, j'arrive. Il était où? Ah, c'est peut-être pas lui, bah, là où je suis. Bah si, en fait, j'ai suivi les pièces. Ah. Et là, au bout de moi, il y avait un trou. Bah, j'ai creusé. Il y a un mec dedans. Je l'ai pas encore sorti là du coup. Vas-y, j'arrive. Je vous attends pour le sortir. Ah oui, t'es là. Il est où le gars? Ah oui, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est vrai que je pourrais t'aider aussi, je me dis quand même. Hein. Faut que ça aille plus vite. Oui, ça c'est comme la lampe. À chaque fois, t'as les gens qui regardent en mode. Ouais, ouais. Vas-y, mets la lanterne. Et il y a une autre clé là. Ça va être la clé pour en haut du coup. Oui. Have you come seeking misery and abject woe? If so, you've come to the right scale. Poor Dougie's been robbed and left for undead by a bunch of no good mutineers. All because I had the nous to hide away a wee retirement fund. Well, next thing I know, poor Dougie's been stuffed in the soil and left to moulder. I've still got my key. But without the treasure, moi, je récupère la tête. Ah, mais c'est toi qui avais lancé la tête, là? Oh non. Ouais. Mais c'était peut-être exprès, non? Oh non. Quoi? Vu comme il la tient, après, c'était peut-être pas fait exprès. Non, je pense pas, non. Kelly, faut que t'arrêtes de faire ça. Ouais, je savais pas qu'on pouvait pas la récupérer. Bah, je pense que c'est le temps de la cinématique, c'est tout. Hein.
don't mind me. I'll get back to listing all the mistakes I've ever made in alphabetical order. Comme il s'est rallongé. Allez hop. Salut. Et où ma tête? Ah bah c'est... Alors, trésor du pauvre Doug requis. Ouais. Ah mince. Mais il a dit sans la carte... Par contre, la tête, tu peux pas la récupérer vraiment? Attends, j'essaye, ça marche pas. C'est pas possible. Peut-être que quand on va récupérer, on va lui mettre le trésor, ça sera bon. Ah ouais, la tête, c'est vraiment utile. Bah sûrement, hein. Je pense que si tu l'as pris, ça sert à quelque chose. Je suis sûr que ça sert à rien. Tout va bien. Allez, ok. Bon, du coup, son trésor. Quelqu'un a lu, du coup, qu'est-ce qu'il a dit pour bah, trouver son trésor? Il a dit qu'il avait pas la carte. Non, ça, c'est la toute fin. Me la joue pas, moi aussi, j'ai lu la fin en essayant de me rattraper quand j'ai compris qu'il fallait lire. Il a dit qu'il avait caché le trésor ici, qu'il y avait des mecs qui étaient venus et qu'il l'avait enterré ici, il l'avait laissé pour mort, du coup. Ouais, j'ai pas lu. Alors, je me souviens pas de tout. Hein. Mais j'ai lu. Oui, mais du coup, là, faut qu'on récupère son trésor. Il est où, son trésor, là? Il est là, regarde. C'est vrai, tu l'as? Non, c'est pas vrai. Ah. Mais en plus, je comprends pas. Trésor du pauvre Doug requis, mais il a son trésor à côté. Il y a quand même encore un trésor. Ils ont dû prendre la suite. Ils ont pas tout laissé ici, ils l'ont pas buté. Ils ont dû prendre le reste. Hein. C'est peut-être à la taverne. Hein. Après, il y a des pièces ici. C'est les pièces que t'avais suivies, ça? Bah ouais, donc là, je vais juste faire demi-tour. Après, dans le bateau, il y avait l'air d'en avoir plein à un moment donné, hein, oui. Du trésor, je crois. Il y en avait pas mal. Et un livre, je vais le lire. Attends, je vais peut-être aller l'activer là-bas aussi en même temps. Je sais pas si on doit tous l'activer ou pas, donc au cas où. J'arrive. Activer quoi? Bah pour les succès, t'es en mode, tiens, t'as lu le bouquin et tout. T'es où? T'es en haut de la taverne là? Ouais. Ah, mais peut-être qu'on l'a déjà pris, je sais plus. Mais celui-là... Faut aller vérifier en vrai. Ouais. C'est en mode, vous pouvez pas me trouver au moins un coussin? Et moi je te suis comme d'hab. Mais à chaque fois elle me suit quand je suis dans un mauvais truc. Mais oui, j'avoue. Oh, cette chanson. Mais ça va parce que là je me dis c'est vraiment le truc facile qui se faisait en 2-2 normalement. On a déjà y passé un temps fou alors j'imagine même pas les autres. Hein. J'avoue. Ouais, si c'est ce livre là, si on l'avait déjà pris tout à l'heure. Ok. Mais tu sais quoi, moi je regarde ici parce que je me dis il y a peut-être un gars qui parle d'argent qu'il a volé à quelqu'un. Ouais, vas-y. On sait jamais, hein. Ouais, on sait jamais. Je regarde. C'est le pire bail de se tenir n'importe où en fait, on peut pas remonter l'on vole. Ok. Moi je voudrais retourner parce qu'il y a un moment où il y avait quand même beaucoup d'or. Hein. Oui. Je confirme. Il y avait beaucoup de pognon. Je vais aller vérifier que le phare aussi soit pas monté là. Parce que des fois ça va peut-être débloquer des trucs. Ok, toujours pas. Ok, je vais aller voir du coup, je vais retracer l'or. Ouais, retrace l'or. Ah, les morts ne parlent pas, ça vous dit quelque chose, c'est ça? Ça? C'est ça, les gars? Avast! I said avast! Can anyone hear me? Ouais, après il y a de l'or mais il n'y a pas tout le trésor là non plus donc je pense pas que ce soit ça en fait au final. Cherchons hein. Il y a de l'or là aussi. Qui c'est qu'il y a le crâne d'ailleurs actuellement? Mais le crâne il est toujours avec l'autre? Il a pas pu le récupérer? Pas moi.
Ah, t'as vraiment pas pu le récup? Non, c'est pas grave. Il va creuser partout. du coup, y'a rien, les gars, en haut? Bah, écoute, je sais pas. J'ai regardé, y'avait un trésor, mais. Attends, la méduite, déjà, ce serait bien de pouvoir le récupérer en fait. Mais laisse-le là, c'est pas grave. À mon avis, si on pouvait avoir un crâne, c'est que c'est pas pour rien, quoi. Non, mais il fait juste pas que parler. Attends, mais pourquoi ça a mis plein de tout va bien, là? Bah oui, je sais pas justement ce que tu fous. Bah je sais pas non plus, j'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi à chaque fois qui mettait tout va bien. Oh, emmenez le capitaine maudit au sommet du phare. C'est la tête. Vous l'avez récupérée? Bah non, on peut pas la récupérer. Ich. Mais c'est quoi qui a déclenché ça? Oui, par contre, qu'est-ce qui l'a déclenché? Je sais pas, j'étais au-dessus de lui, mais... Non mais du coup, comment on fait là, si c'est vraiment lui qu'il faut amener? Mais justement, je pense que ça va le débloquer en lui donnant le coffre. Quoi? Non mais je crois que t'as pas compris un délire là. Quoi? Là, notre quête, c'est d'amener le crâne en haut du phare. Non mais j'ai compris, mais là, il y a écrit, lui, trésor du pauvre doux requis, donc oui, peut-être que ça va... Et le trésor, il est dans le phare, je pense. Donc il faut d'abord le crâne pour aller dans le phare, pour pouvoir récupérer le trésor, pour le donner à lui. Je crois qu'on est bloqué là, vraiment. Kelly, si c'est ça... Non. C'est pas moi. Moi, est-ce que c'est pas ça? Comment que c'est tu pas fais, ça, délire, Kelly, pour créer des bugs? Après, peut-être c'est ça. Peut-être t'as raison, il faut vraiment juste lui donner le trésor. Il est pas dans le phare, hein, le trésor. Mais si le trésor est dans le phare... Non, mais c'est vrai que t'as raison, c'est peut-être quelque chose que je voulais me cacher, peut-être. Et qu'on n'a pas le crâne, on est... Tu dis encore tout va bien. Je suis sûr que t'appuies sur une touche qui fait ça. Je suis en train de creuser comme une timbrée. Il y a juste quelqu'un qui m'a dit le trésor est pas dans le phare, donc juste... Ok, cool. Merci. Si c'est vrai, ok, on peut continuer alors. Ouais, si c'est ça, par contre, c'est cool. Juste, ne spoilez pas, quoi que ce soit important, mais juste, ouais, juste effectivement, si le trésor n'est pas dans le phare et que vous le savez, genre, n'hésitez pas à dire juste ça. Qu'on continue de chercher et qu'on relance pas la partie, quoi, pour rien, à la limite. On ne spoilez pas, on va trouver de nous-mêmes, hein, mais... Il y a des pièces... Parce que personne m'entend. Ah, le trésor qu'on cherche, c'est pas obligatoire. Oui, du coup, ça veut dire qu'on peut le faire sans avoir fait le truc du... Ok, donc on doit quand même pouvoir le donner. Une fois qu'on l'aura donné, on pourra récupérer le crâne. Vas-y, on va dire ça. Vas-y, oui, on va dire ça, ça. Hein, c'est ça. Hein. C'est bien ça. Donc, du coup, comment on trouve ce trésor alors? On peut pas ouvrir quelque chose qui te fait un récapitulatif de ce qu'il a dit précédemment, le gars? Là, il y a pas une boîte de dialogue. Oublié. Oh, mais ça, c'est le crâne. Je sais pas, je pense pas, non. Mais Doug. Non, mais en fait, faut retrouver les mecs. Ouais, faut retrouver des mecs qui sont contents d'avoir récupéré c'est un ça. Trésor. Exactement. Qui aurait pu récupérer un trésor là-dedans? Bah franchement, même moi j'aurais pu. Hein. Ça a pas changé, j'imagine. Mais attends, parce que c'était eux. Donc est-ce qu'on a une info après avec eux de là où ils auraient pu aller avec le trésor? Est-ce qu'il faut qu'on les retrouve eux ailleurs? Ah, c'est ouf, hein. Attends. Capitaine Maudit, il retournait dans sa cage. Oh mais non, il y avait un cooldown, genre. Ah, le crâne n'est plus là. Donc il a dû retourner dans la cage, le crâne. Oui, c'est ce qui a marqué en bas. Bah oui, mais moi au début j'ai cru que c'était Doug. C'était Doug, du coup j'ai confondu les deux. Non, c'est le capitaine. C'est bon, j'ai le crâne, je vais aller reposer. Ah non, tu touches plus. Non mais par contre, là c'est eux, c'est les mêmes personnages en fait qui sont là. C'est pas eux. Oh la vache.
Ouais, mais... Et les personnages qui reviennent, mais du coup, à voir. Mais écoutez, si t'as le crâne, on va aller au phare avec, non? Est-ce que tu peux aller au phare avec? Je vais au phare. La porte fermée? On va le lâcher dans l'eau. Faites pas de bêtises. T'as pas, ça t'a pas ouvert le pont? Non, je vais pas le lâcher. Par contre, si c'est allumé, la livre à zéro ici, non? Ouais, c'était pas allumé avant. Ah bah voilà. Ça fait un truc. Ok, ouais, du coup, il y a les mecs en face qui sont en train d'ouvrir. Ok, très bien. Ok, bon, ça nous a des bugs. Bon, par contre, le coffre... J'avoue, en moins d'une heure, Kelly a réussi à bugger deux fois, genre. Oui. Pas de ma faute. Moi, je lis, les gars. Okay. Ouais, vas-y, lis, lis. Dire quoi? Alors, faut faire quoi? Oh bah là, il a rien dit de spécial. Hein. Non mais j'ai lu, mais il y avait rien de pertinent. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Il s'est mouché dans une flamme. Et le gardien quoi du phare avec. Il y a un bouquin ici, si jamais. Ok, j'arrive. Et un squelette sans tête. 3 sur 5. Ouais, aussi. Ah, il va encore. Eh ben, il est parfait celui-là. Celui-là, il a pas de tête. Je suis allé en haut là. Il a pas de ouais, tête. C'est ce qu'a dit Kelly tout à l'heure. Ah ben moi, j'étais trop content dans vu la lecture. Oh. Là, il manque une roue. Ah super, on doit foutre le feu à nouveau. Ok, faut allumer un brasier, j'ai lu. Ouais. Avec notre drôle de flamme. Oh. Ça marche pas. Oh, c'est stylé. Regardez quoi. Bah y'a un bateau, est-ce que je peux pas l'attirer sur le bateau? Y'a un bateau en face alors. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Faut que tu me retournes à gauche hein. Oui bah je cherche les touches. C'est pas là. À gauche. L'autre gauche. Encore un peu. Ah vous y êtes presque. Encore un peu. Attends, c'est peut-être moi, je dois descendre là. Stop. Attends. Un petit peu à droite là. Parce que tu fais des trucs aussi. Moi je descends et je monte. Toi tu vas à gauche et à droite. À droite. Ok, stop. Je peux monter. Monter ouais. Non, non, là c'est trop. Ok, descendre. Non, non. Pas trop. Non, non, monter. Un petit peu plus haut. Sur... Attendez, il y a un brasier à gauche sur le rocher, vous le voyez? Est-ce qu'il faut pas l'allumer? Mais oui, il faut allumer le brasier. Ah, bah c'est le brasier qu'il faut regarder non, alors. Bah vas-y, go brasier. C'est plus logique qu'un bateau. Effectivement. Ah. C'est bon. Voilà. Heureusement que je suis là. Si hein. Tu le disais aussi dès le début. T'avais que ça à foutre. Après, il a dit quoi? Bah, après, ça va attirer l'attention. Il y a un autre brasier à gauche. Ah, on bah, peut y brûler y deux, les même. Gens. Mais arrête. Faut que tu restes un peu dessus. En ah, fait, tu bon, passes à peine dessus que ça part tout seul. C'est bon. Nickel. GG. Oh, regardez, il y a un bateau qui arrive. Ça marche pas. Ouais, j'ai essayé. Préparez-vous à vous battre au cas où dans le bout. Ok, faut se cacher pour rentrer dans ce navire en gros. J'ai envie de sauter dans l'eau net. Pas bête, je tente. Moi aussi. Oh le rocher! Ils sont sérieux, ils l'ont vraiment fait. Ah ça va, je l'ai fait. Ouais. Je suis pas mort. Mais juste, moi non plus, mais il faut se cacher justement, on va passer par en dessous. Bon par contre... On est les pires. Bah quoi? La discrétion ça nous connaît, non? Oh, on c'est... va faire échouer la quête genre. Mais non. Faut déplacer la tête. Non, parce que moi là. J'ai lu.
Ah oui, moi j'ai pas lu pour le coup. Hein. Bah voilà, bah... Dirigez-vous vers le navire avec les voiles rouges. Effectivement, là on n'est pas aux bonnes voiles. Il n'y a pas d'échelle là, de ce côté-là. Pourquoi il n'y a pas mis d'échelle aussi là? Bah ouais, parce que c'est un bateau d'année, ils ont pas besoin eux. Pourquoi j'ai suivi? Oh, l'avant du bateau, il est trop stylé contre... Oh, je veux tellement la prouver. Ouais. Moi aussi. Oh. On moi, pourra faire moins que moi sur le prix, ça coûtera moins cher. J'avoue qu'une échelle serait bien aussi. Mais non, mais faut aller aux voiles rouges. Bon, j'y vais. Aux voiles rouges? Oui. C'est ce qui est écrit. Allez au bateau avec les voiles rouges. Ramassez-moi le crâne et allons-nous-y. Qui c'est qui a pris le crâne? C'est pas moi. C'est pas moi. Kelly? Bien fait. Les trois idiots qui ont sauté du phare, qui doivent y retourner maintenant. Non mais attends, mais vraiment personne ne l'a pris? Mais bien sûr que non. Mais Kelly, c'était tes responsabilités. Non mais je savais pas qu'il fallait le prendre. Non, moi il fallait lire pour me le dire, mais personne n'a lu. Ah, moi j'ai pas lu, j'étais trop pas. Qui devait lire ah, moi j'ai tapé, bah ouais, j'étais happé par le bateau. Oh, mais on commençait pas à retourner la situation, hein. Elle a pas lu. Non, j'étais happé par le bateau. Ah, bah c'est moi plus vite que ça, bah oui, on arrive, c'est bon. J'étais en train de. Eh, vous avez engagé trois boulets, hein. C'était compris dans le contrat, hein. À votre avis, pourquoi on était pas cher? Tu m'étonnes, on coûtait rien du tout. Oh là là. Petit budget, petit pirate, hein. Petit pirate encore. C'est peu dire, hein. Bon, allez-y, plus vite, là. Oh là. Je vous regarde avec ma longue vue. Oh, c'est si long, en plus. On a vraiment sauté. Sans prendre le crâne. Mais du coup, c'est vraiment ce bateau où il faut aller ou pas? Oui, le bateau avec les voiles rouges, c'est ce qui était dit. Ah oui, donc c'est le bateau derrière, c'est même pas là où on avait sauté. Ah non, même pas. Je me respecte, quoi. Non. Ah, oh, je t'ai vu sauter. Une fois des larges, j'ai plus de vie. Oh non. Et je pense qu'il va falloir mettre le monsieur. Parce qu'à côté de la porte où il y a le bateau, il y a un monsieur, il a pas de tête. Oh bah. Oh là là. Oh, elle a déjà eu le temps de, attends, de capter des infos et mais tout. Mais pas tout de suite. Il est stylé par contre ce bateau avec ses voiles comme ça. Ouais. Non, Kelly, fais pas ça. Ne l'enterre pas. Je cherche des... Non, mais je cherche des larves, j'ai plus de vie. Mais il y a des pommes, t'as pas de bananes, des trucs comme ça? Quoi? Non. Ah. C'est bon, je l'ai placé. Il y a un secret. Non, parce qu'il y a une clé dans la main aussi. On vous la donnera après. On doit aller à sa cabine. J'ai pris sa tête, hein, du coup, puisque... Personne ne s'est dévoué. Je pense qu'il peut la reprendre, vouloir le mettre dans sa cabine maintenant et c'est tout. Vrai. En fait, on oublie souvent de la prendre, cette tête. Hein. Oh. Il y a un corps? Ouais. Un livre. Ah. Oh, c'est trop stylé. Il faut une clé. Oh, mais arrête! Passe ton temps à vomir! Ok, bon, faut aller chercher une chaloupe du coup grâce à sa clé. Not all treasure is silver and gold. Me crew are free and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Ah, j'espère qu'on se reverra un jour, hein. One day we'll meet again. Now take the key and be off with ye before ye find yourself trapped here. Il y a un autre truc qu'on n'a pas fait en secret. Il y avait un truc à déverrouiller en haut là, à un moment. Il y a une clé qu'on n'a pas utilisée. Ah, je me souviens plus par contre. Mais il est là le trésor de l'autre. Mais il est ici. Bon, et du coup là on cherche une chaloupe. Hein. Bah, elle est là. Hein, je pense. Faut avancer.
Oh là là, je m'assois, moi j'ai mal de mer. Ah oui, il y en a qu'un seul qui fait tout en fait. Il fait beau temps aujourd'hui, hein. Tu sais pas où tu vas sinon ? Non, je sais pas où on va. Bah voilà, bah c'est... Je sais pas moi, c'est qui a lu ? Quoi ? Non mais il faut aller à l'autre bateau, mais attends. Il est où ? Il est à gauche, ouais, quoi, bah, c'est je sais pas, il est à gauche. Oui, il est à gauche. Ah, le capitaine, là, pour le coup, il y a des trucs dans la chaloupe. C'est hors, si du requin, ouais. Ouais, j'ai tout mangé. Non. J'avais oublié comme il était beau, ce jeu. Je sais pas, comment utiliser le truc. Oui, mais en fait, je sais pas piloter, en fait. Ah. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas, agite les pagaies. Essaye, agite les pagaies et vois ce que ouais, ça c'est fait. C'est ce que je fais. Je... Bah, ah si, c'est bon. Okay. T'en as une, ça fait gauche, droite et après tu fais les deux en même temps. Je pense que ça fait tout droit ou en arrière. Je sais pas. Ouais, c'est ce que je fais. Mais. Oh, il y a des spectres. Ils je vont vois vers rien le bateau. Avec l'autre devant là. Mais oui. Ah ouais, ouais. Va t'asseoir. Mais je vois plus avec l'autre devant là. C'est stylé, hein. Non, fallait peut-être aller derrière. Oh bah. Ouais, c'est où qu'on monte ? Bah, fais le tour. En fait, ouais. C'est derrière. Pas devant. Par contre, cette. Tête mais la vue, elle est infâme en fait, genre. Oui, ça doit être dégueulasse le point de vue que t'as. Ah, en fait, c'est le problème, c'est que la vue, elle est orientée pour que je regarde. Là, je regarde du mauvais côté en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je regarde en face, je regarde derrière, pas devant en fait. Ouais. Et si je regarde derrière, je suis bloqué en vue, c'est un peu chiant. Ouais, je vois. Pas, je comprends pas sa pratique de ouf. Reculer là ou pas? Je peux même pas reculer. Mais t'as même pas le droit de faire un tout droit là en plus. T'as pas le droit d'aller en face quoi. Non, je peux pas full tourner. Faut quand même que j'avance à mon tourner. Vraiment, c'est pas évident. Enfin, quand tu l'as jamais fait en fait. Oui. Faut pas ça très pratique. Ouais. T'imagines, allez-y discrètement. Pendant ce temps, t'as tous les spectres en mode mais c'est qui tourne autour de notre bateau? Ça vous plaît les amis le stream, ça va? Et là faut aller derrière du coup tu me dis. C'est oui. Pas peut-être. Si c'est pas derrière c'est de l'autre côté. Et à gauche. Non mais là tu vois je peux pas aller full à gauche par exemple genre. Ouais. Oh là c'est beau. Ah mais non parce que du coup je vais pas pouvoir tourner en tout droit là. On va peut-être se faire attraper. Ça me paraît bizarre que ce soit là. Ah, c'est... ah mais il y a 4 contrôles, c'est pour ça. Attends, il y a AE, Q et D. Mais ça, moi j'utilisais que 2 contrôles en fait. Ok, en fait, j'utilisais pas tous les contrôles. Oh l'angoisse. Attends, je regarde après du coup. You have okay. Suffered under the weight of chains forged and now your time is served. Though your very secrets are laid bare, I cannot surrender the wheel. But I entreat you, do not continue to trespass here, for you do not. Ah, on cherche quoi? Il y a des canons là. Oh, j'en ai beaucoup. Et des pommes. Moi je suis en train de tout piquer, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, j'ai pas lu à la fin ce qu'il disait. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va. Oh! Une lanterne. Et une porte. Bien vu. Une autre lanterne. Ok, je peux déplacer le couvercle ici, mais... Déplace-le. Mais là aussi. Non, mais ça fait rien. On peut pas ouvrir là-bas derrière ? Non. Putain, faut une autre lanterne. Ok, il va y avoir un... Bah, soit une lanterne, soit il y a un truc à... Est-ce qu'il faut déplacer pour que ça ouvre ? Là, j'en sais rien. C'est bizarre, ce truc-là.
Ça ouvre pas derrière en même temps. Attends, mais si, il y a un truc là. Attends, Kelly, t'as bougé quelque chose toi? Non, mais j'entends un truc près de moi quand vous déplacez. Ah ouais? Attends, ouais. Je me déplace. T'as moi aussi j'entends comme si ça déplaçait ailleurs en même temps en fait. Ah, il faut trouver la zone que ça déplace. Ah oui, effectivement, ouais. Attends, referme. Est-ce que c'est pas là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pas sauter là? Non, j'ai essayé. Tu avais vu aussi le petit passage? Ça sent le truc tout bête. Mais c'est vache. T'es ouvert. T'as ouvert? Incroyable. Oui. Comment? C'est si fort. Il y avait une bougie allumée. Ah. Là où on était en fait, il y avait juste un truc à éclairer. Ah, ça doit être ça. Oh ah, le voilà. Jack. You can take the keys from his mouth and let me out. This delicious bone. Oh non. On peut lui proposer ouais, un truc à manger ou quoi? J'ai les clés, je m'en vais. Allez. Ah non, t'as réussi à avoir les clés? Ouais. Pourquoi il voulait pas me les donner à moi, le chien? Non mais pas ouvrir. Non mais le pire. Kelly. Quoi? Ouvre à Jack tout de suite. C'est moi qui ai la clé. Ouvre à Jack tout de suite. Ouvre à Monsieur Sparrow. Oh là là. Silence is generally best. However, as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Though since you came here to rescue me, you probably knew that. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this, the greatest pirate treasure of all. A golden key to other lands, an eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid, and used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Shining, isn't it? Oh! Il pue là, Jack. Il a dit quoi? Bah Jack il se barre là. Il doit bah écoute, déjà on verrait. On a fini le jeu du coup, ça y est. Ah, il est là. Mais non, il est là. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. Il a même pas de souffle, on dirait moi. C'est un peu en fantôme aussi, ça peut jouer. Oh, c'est toi qui a fermé ça? Non, c'est pas moi. C'est moi. As we made our escape. Suddenly, there was a loud, booming, cannonballing sort of noise. A cannonball. C'est trop marrant. The scenery is not very inspiring, but it's good to stretch my legs. Now, let's get off the ship before. Stay where you are. That happens. You, from the living world. Why have you interfered with my work? The selfish actions of this Barrow have brought catastrophe in his wake. Dire fortune that now threatens to consume the Sea of Thieves itself. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be returned to your cell. And this time, the key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be permitted.
Oh là! Already the sands of time have trickled into oblivion and we are discovered. He has found. On peut parler les canons, KO. On peut pas utiliser les canons. We cannot flee. Therefore, we must fight. To arms! Steady, mate. That's the Flying Dutchman we're talking about. She's no ordinary ship. Then upon the waves of my domain, she will find herself well matched. Play upon pirates. Merci Cyborg pour ton abonnement, j'avais pas vu, je suis désolé. Merci beaucoup. Unleash the fury of the dead upon this interloper. That we might put an end to calamity before it begins. I believe that means he'd like us to use the guns. D'ailleurs, on peut les utiliser. Let's go! Il a beaucoup plus de canons que nous, hein, par contre. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Regarde comme il coule. Allez, salut. Mm-hmm. Allez, on est des bons. Hein. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, franchement? David Jones? De l'autre côté. C'est trop stylé! Merci beaucoup Cyborg, hein, merci infiniment! Merci beaucoup, hein, des gros bisous à toi! Et même côté là, à gauche! C'est Jack Sparrow qui participe! Incroyable! Ah, mais j'ai plus de boulet moi! Il recharge, non? Non, mais j'ai plus de boulet! Ils sont où? Maintenant que tu dis ça, j'en ai plus non plus! Ah bah tu vois! Hein. Tu les as trouvés, c'est bon? Y'avait pas une hitbox à un moment donné pour savoir qu'on touchait? Je sais plus. La séquence est très stylée. Hein. Yes, un abordage. C'est parti. Sinon Jack il fait quoi là? Mais il vient de dire j'ai oublié mon os. L'autre il vient de dire bon bah prenez mon arme hein. Oh. Case d'abord. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Oh là 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 là. Il électrocute un peu quand même. Ouais, ils m'ont fait mal. Ah zut, j'ai plus de balles hein, moi je descends vite fait les gars, cover. T'as des balles en haut, t'as des munitions en haut. Ah. Elles sont où? Derrière, là où je suis. Je sais pas si on peut ping dans le jeu. Ok, je les vois. Merci. Y'en a un gros derrière. Oh la vache. Les larves. Oups, là, tu j'ai dans voulu les mains. Manger, pardon. Bah, je sais pas pour les larves, pour la bouffe, j'ai vu, mais pour les larves, je sais pas. Bah, ouais, c'est pour moi, c'était avec les mêmes trucs du coup. Merci. Donc, ça va switch Coucou, auto, Miro, vu que là, ça switch entre merci, la banane et, la... et autre chose en mangeant. Ah, il y a un gros. Ok, je crois que j'ai tiré alors que c'était. Il
Ah non, là c'est le combat. Ouais, c'est le combat entre eux là. Bon bah battez-vous hein. Allez, on regarde. Oh, à droite. Quoi à droite? Le bateau. Ouais, il y a un bateau. Ouais. Plus vite. Non. Moi je charge et je mets des. Non mais il est trop beau, j'ai même pas envie genre. Mais oui, moi je le veux. On est en train de rater ton combat en plus. Ok, sur le bateau il y a. Et puis, quel combat d'acharné en attaquer. Plus. Quel combat de fou. Ouais. Oula. Est-ce qu'il y a besoin de réparer le bateau comme dans le. Je sais pas. Oh là là. En vrai, on a pas l'air de prendre l'eau, hein. Non. Ok. Bon, et sinon, son combat là, qui dure une éternité, on en parle ou. J'avoue qu'il dure 10 plombes. Non, mais laisse-moi tirer une balle, hein. Ça ira plus vite, allez. Il a pris son arme. Ah ouais. Ouais, il a pris l'arme de Jack. Ah non. Bah, il a récupéré. Bah, il l'a récupéré alors. Parce qu'il l'avait dans sa. Sinon, tu veux pas tirer place. Avec les boulets, toi. Bah, si, je tire. Merci beaucoup Anonymous. Merci infiniment pour ton abonnement, des gros bisous à toi. Comment tu vas? Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Satana. J'adore ce jeu. Je peux plus tirer. Bah allez Jack, fais quelque chose. Tu vois là, il a repris son arme. Ah. Merci beaucoup Kim Martia pour les deux abonnements offerts à un Mistraleuse à Saitou. Des gros bisous, merci beaucoup, vous êtes adorables, sérieux. Merci. De l'autre côté. Enfin, quoi que, est-ce qu'on va pouvoir toucher là? Bah, à force, on va y arriver, ouais, je pense. Bon, c'est bon, on peut ça y arriver là. En fait, faut l'aider depuis tout à l'heure, tu sais, et on n'est pas au courant. Bah, le debuff pour rien, hein. Ça se trouve, c'est faire un truc avec ta lampe ou quoi là. Oh, tu crois? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais. Moi, oh, ça me paraît quand même. Je sais pas, y'a rien à faire. Le trésor, et c'est bon à l'utiliser. J'ai tiré sur le gros et je sais pas si ça a joué, mais. Mais non. Il lui a volé le truc, il se barre. Hein. Ouais. Vas-y, je saute. T'es fou? Fais pas ça. Tu as perdu la tête. T'as de la chance, je peux pas sauter. Hein. T'allais le faire. Y'a un mur invisible, t'as de la chance. Hein. Parce cap que sinon, je récupérais le trésor. Hein. Attends, il dit cap sur le trésor, c'est à nous? Je lui ai donné ma parole. Ah non, y'a l'autre qui. Ah, bah, de toute façon, c'est lui qui, ouais. Qui est là-bas. Ok, c'est reparti. Ah, il est revenu à. Il est trop beau le bateau. À tribord. Oh, David Jones. Ah non, j'ai trop de respect pour cet homme, moi je peux pas. Hein. Cet homme. Ouais, cet homme poulpe. Pourquoi on tangue nous? Il vient d'envoyer une grosse impulsion. Je suis tombé dans la cale. Elle peut pas ça tomber dans l'eau, du coup elle tombe dans la cale. Elle. Ça m'a trop impressionné. Merci encore King Martyr pour les abonnements. Merci à la personne anonyme aussi. Merci, merci Cyborg. Did you not heed my warning? Fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Il y a des trucs qui te donnent plus envie que d'autres ou pas? Comment ça? Ouais, les larves ça donne beaucoup. Bah, au niveau des fruits? Au niveau de la nourriture? Je sais pas, j'ai mangé qu'un peu pour le moment, j'ai pas regardé. Oh non! Save all that you have endangered. Fail, you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. David Jones, c'est avant tout un mec qui a eu le cœur brisé, hein, faut pas tout de suite s'en prendre à lui. Hein. Et on a terminé la fable. Fin de l'histoire.
Ah oui? Ça va. Oh, ça se faisait en une demi-heure, on l'a fait en deux heures, ça, c'est ok, non? Bah écoute, moi je trouve ça plutôt pas mal quand même, je trouve qu'on a quand même été assez rapide. Bon bah je pense qu'on passe la porte en bas les gars, on y va. Bon bah... Par contre, qu'avez-vous pensé de cette fable? Je ne vous demanderai pas de faire une note sur 10, mais pas loin. J'ai adoré. Moi j'ai adoré perso. C'est pas fini, il y a un truc, notre bateau qui arrive. Quoi? C'est notre bateau qui arrive, il va nous emmener dans le monde des vivants. Il y a 4 bateaux. Oui, peut-être. Du coup. Oui, bon, peut-être, peut-être. On est où là du coup? Mais on reprend le... On peut pas... On va tous s'attendre et on démarre ensemble. De quoi? On attend tous les bateaux et on se casse tous ensemble. Non mais regarde, on est en train de se séparer. Ouais. Je sonne la cloche. Je préfère mon chapeau à moi que celui qu'on a eu. Hein. Ah, celui chapeau qu'on... du capitaine maudit. Mais non, il est beau ou pas? Ouais, pour que tu dises en vrai, ça va. Mon chapeau. En vrai ça va, mais je préfère le mien. Bah ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Ils auraient pu nous donner la tenue de Jack Sparrow, quoi. Mais bon, je vais dire ça, je dis rien. Oh! Regardez le... Le soleil se lève! Du coup, là, c'est quand on revient sur l'île, on va pouvoir prendre la deuxième fable direct, non? Bah, je pense, hein. Oh, c'est trop stylé avec la musique et tout. C'était trop stylé.